Welcome to Gunship. Multiple bogeys incoming. Bonsoir. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir très nombreux ici ce soir, parce que je pense que on a un travail très important à faire ensemble, et que des gens comme moi, sans vous, on ne peut arriver à rien. Et c'est une coïncidence. Investigation a d'abord voulu s'appeler InformAction. Et puis le nom était déjà pris par un groupe quelque part en Belgique, donc on a changé. Mais ce qui m'a frappé en découvrant cette petite bande formidable ici de jeunes à Toulouse, c'est qu'on avait tous les deux choisi un nom qui se termine par action. Et ça, pour moi, c'est le principal. On est face à une machine de propagande. C'est la machine du 1%. Ils ont l'argent. Ils ont des experts, ils ont de l'expérience, des techniques, ils savent comment manipuler, et nous n'avons pas l'argent, mais nous avons les gens, et c'est encore mieux. Et mon but en venant ici ce soir, et en restant demain pour discuter avec cette jeune équipe, c'est vraiment de voir comment on peut ensemble organiser l'action, c'est-à-dire la bataille pour l'info, la bataille pour la vérité, la bataille pour aider les gens autour de nous, au boulot, à l'école, partout en fait, à ne pas se faire embobiner et à ne pas se faire remplir le crâne d'idées qui sont contre leurs intérêts. C'est ahurissant de voir que des gens vont voter contre des partis qui vont leur faire, pour des partis, pardon, qui vont leur faire du mal. C'est ahurissant de voir que des gens vont voter pour une guerre qui en fait est contre eux-mêmes et que je ne leur en veux pas. Ils sont des victimes de la propagande de guerre. Et donc, toute la question pour nous, tout le défi, c'est comment allons-nous travailler efficacement pour traiter tous ces gens qui sont trompés en amis et petit à petit, que, en prenant conscience des mécanismes de cette propagande, ils puissent eux aussi à leur tour jouer un rôle et changer leur rapport de force. Il y a des exemples dans l'histoire où on a vraiment vu un peuple changer, se mobiliser et comprendre qu'en fait, il n'y a pas une info, il y en a deux qu'il faut choisir et que l'info est toujours une question d'intérêts fondamentaux. Alors justement, pour que ce débat de ce soir soit le plus utile possible pour vous, ça ne va pas être un exposé et puis quelques questions-réponses. Je voudrais qu'on fasse ça le plus participatif possible. L'idée, c'est de réfléchir ensemble comment, comme on l'a intitulé, repérer la propagande de guerre au quotidien dans les choses que vous voyez, que vous lisez, pour pouvoir directement autour de vous être à même de faire comprendre aux gens et de montrer justement ce que cache l'information. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de vous résumer très brièvement ce que j'appelle les principes de la propagande de guerre, et ensuite on va réfléchir ensemble comment ça s'applique au conflit au conflit actuel. J'entends par là les guerres, c'est le thème sur lequel j'ai travaillé, mais il y a plusieurs manières de faire la guerre. Il y a la guerre directe avec bombardement, occupation, et puis il y a ce que j'appelle la guerre indirecte, c'est-à-dire qu'on fait se battre des acteurs locaux sur le terrain, on les fait se battre entre eux, ou on trouve des agents qui vous servent en fait de troupes de choc. Ça peut être des guerres civiles provoquées, ça peut être des coups d'État.
Je pense que le boycott ou les sanctions ou la déstabilisation de certains pays, c'est aussi des formes de guerre, donc ça englobe tout ça. Les pays dont on peut parler, il y a une très grande liste aussi. J'ai travaillé ou j'ai un peu suivi l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, la Palestine, la Yougoslavie, la Libye, la Syrie, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Ukraine, le Venezuela, l'Érythrée, il y en a encore une série d'autres. Vous avez peut-être, vous, en tête, des pays ou des situations qui vous tiennent à cœur et sur lesquelles vous avez envie de pouvoir être efficace. Donc, on pourra en parler. Je résume très brièvement. Les cinq principes de la propagande de guerre sont 1. Quand vous êtes Bush ou Obama ou Sarkozy ou Hollande, il y a une chose que vous ne pouvez pas dire, c'est la vérité, à savoir on fait la guerre pour le fric ou pour le pétrole ou pour contrôler telle route stratégique ou pour détruire tel pays et tel gouvernement qui nous embête. Si vous ne pouvez pas dire, évidemment, vous n'auriez pas de soutien. Donc, on est obligé de parler d'autre chose, on est obligé de faire un storytelling, comme on dit maintenant. Et quand on analyse tous ces discours, on retrouve ce que j'ai donc appelé les cinq principes de la propagande de guerre. 1. Cacher les intérêts. Jamais reconnaître que c'est des guerres pour le fric. Et là, j'ai choisi un petit exemple. On a ici donc ce beau monsieur qui porte un sac de riz sur une plage somalienne en faisant bien attention de ne pas se prendre les pieds dans les fils des caméras et qui est en train de nous raconter que les gentils, les États-Unis, la France, interviennent pour aider les pauvres Somaliens qui ont faim. Bien sûr, ce monsieur ne va pas nous dire que il y a du pétrole dans le sous-sol de la Somalie, que des compagnies multinationales US ont quasiment acheté le quart du sous-sol et qui sont bien embêtées parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui leur permet de faire leur business là-bas. Il ne va pas nous dire non plus que la corne de l'Afrique, vous savez, la pointe avec la Somalie, l'Érythrée, Djibouti, Soudan, qui rentre dans l'océan Indien, qui est la route maritime principale, puisque c'est tout le trafic entre l'Afrique et même l'Amérique latine et l'Asie, donc la Chine, et que donc les États-Unis veulent absolument contrôler ça. On ne va pas nous dire non plus qu'il y a eu un gouvernement en Somalie et que les États-Unis ont en chargé l'Érythrée de renverser ce gouvernement et de bombarder même au napalm pour y arriver. Ça s'est passé un peu plus tard, mais la Somalie, c'est dans la continuité. Et on ne va pas nous dire que s'il y a des pirates en Somalie, ben, c'est parce qu'on a complètement détruit l'économie, que les pêcheurs locaux ne peuvent plus pêcher parce que les navires occidentaux viennent, ratissent le fond, prennent absolument tout le poisson, qu'en plus, les côtes somaliennes servent de déversoir pour tous les déchets en tout genre et toxiques de l'Europe. Ça, on ne nous raconte pas. Non, on est là pour l'humanitaire. Donc voilà un premier principe de la propagande de guerre, cacher les intérêts. Un deuxième principe, c'est cacher l'histoire. J'ai choisi un exemple. Ce sont les cartes qui montrent l'évolution de la colonisation israélienne. On a donc à gauche la Palestine avant 1947 et les Palestiniennes. On a en 1947, suite au plan de partage imposé par l'ONU, c'est-à-dire par l'Occident, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que l'Occident qui contrôlait l'ONU, on a donc un partage où Israël prend ce qui est en noir et reçoit ce qui est en noir et les Palestiniens perdent quasiment la moitié de leur pays. En 1967, Israël envahit encore beaucoup plus et va augmenter son territoire de façon énorme, comme vous le voyez. Et là, on a un tableau de 2010, mais depuis lors, ça ne cesse de s'aggraver.
C'est-à-dire qu'on est en train, tout en parlant de processus de paix, de négociation, et c'est dommage que les Palestiniens ne veulent pas négocier, on est en train de transformer leur pays en une série de confettis complètement invivables, et donc d'appliquer le plan qui a toujours été le plan des sionistes, des fondateurs et de Ben Gurion, c'est-à-dire le vider la terre de ses habitants et l'annexer entièrement, faire le nettoyage ethnique. Ça, occulter l'histoire, c'est tabou à la télé et dans les médias. On vous présente que les Palestiniens, ils agressent les Israéliens et on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est vraiment des gens méchants, belliqueux, etc. Et jamais on ne vous dit, ben, ils ont été chassés de leur terre, donc ils ont le droit de la récupérer par tous les moyens qu'ils veulent, ce que la charte de l'ONU d'ailleurs reconnaît. Voilà un exemple, on va revenir sur tout ça. Un troisième principe de la propagande de guerre, c'est la diabolisation. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'attaquer un pays et ses ressources, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas dire la vérité, donc il faut diaboliser l'adversaire, et comme on peut difficilement diaboliser tout un peuple, on va centrer l'attaque sur son dirigeant, et on va présenter ce dirigeant comme un dictateur, un fou, un malade, un pervers, un nazi, un antisémite, et là, maintenant, ce qui marche le mieux, évidemment, c'est un terroriste. Donc, soutenant le terrorisme. La diabolisation, c'est donc rendre votre adversaire tellement odieux que l'opinion va dire « oui, il faut faire quelque chose ». Et dans la diabolisation, le truc le plus fréquent, c'est de l'assimiler à Hitler et aux nazis. Et donc ici, on a de nouveau avec M. Kouchner, on a au moment où il avait un peu infiltré Médecins du Monde, ils ont fait une campagne, un camp de prisonniers où l'on purifie les ethnies, ça ne vous rappelle rien. Et on a donc des prisonniers, nous dit-on, d'un camp tenu par les Serbes en Bosnie, qui sont, nous dit-on, derrière des barbelés. Vous en voyez un qui a l'air complètement décharné, donc les traitements doivent être abominables. Et comme on risque de ne pas avoir bien compris, on vous colle un mirador d'Auschwitz juste à côté pour que vous compreniez que ceux que nous attaquons en Yougoslavie sont des nazis comme Hitler et que donc on est, comme d'habitude, dans un combat antifasciste et nous, on est les démocrates, on est les bons. Ça, c'est donc une image qui a été diffusée en 1992 pour justifier la préparation de l'entrée en guerre de l'OTAN et le travail de la France dans ce conflit. Ce qui est intéressant dans cette affiche de M. Kouchner, c'est que vous avez l'impression que ces gens sont derrière les barbelés. Mais j'ai pu consulter les images qui ont été tournées par une équipe locale, parce que toute la scène a été filmée. En fait, il y a une journaliste de la télévision britannique qui vient pour faire un reportage, qu'elle va faire d'ailleurs, qui va être un reportage à choc, où elle va montrer ces gens derrière les barbelés, et puis elle va faire un commentaire comme quoi c'est Auschwitz. Mais, pendant qu'elle est de l'autre côté des barbelés, il y a une équipe locale qui est sur place, et j'ai pu visionner ces images, et c'est pas du tout ça la scène. Les types, ils sont pas derrière les barbelés, c'est la journaliste qui est derrière les barbelés. Et les barbelés, c'est juste un petit carré dans lequel, dans ce camp, on a en fait mis en sécurité du matériel comme des caméras et du matériel pour ne pas qu'il soit volé. Donc elle dit à son caméraman, et ça on l'entend, tu prends juste les trois choses et tu fais un close-up pour qu'on ne se rende pas compte qu'en fait ces gens ils circulent là-bas derrière et que le bonhomme en question il a une maladie, mais tous les autres à côté sont en bonne santé, même un petit peu, voilà. Alors je ne dis pas que les camps de prisonniers en Bosnie c'était de la rigolade et que tout le monde était bien traité. Mais ce que Kouchner oublie de dire, c'est qu'il y avait à ce moment-là environ 9 camps de prisonniers, dont la majorité était tenue par les amis de M. Kouchner, les Croates et les musulmans, et certains aussi par les Serbes, et qu'en fait, ce n'était pas du tout des camps d'extermination, des choses comme ça. Comme il y avait une guerre civile, on avait fait des prisonniers et on les gardait pour les échanger. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Donc, on est dans une opération de diabolisation qui a été très bien expliqué par un journaliste de la télé française, Jacques Merlino, qui a publié un bouquin remarquable qui s'appelait « Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire », dans lequel il a fait une enquête sur toutes ces images et toute cette opération,
Et il a été interviewé, l'agence de relations publiques Ruderfin, qui aux États-Unis c'est très commun, c'est des agences de promo pour des pays, des gouvernements, des dictatures. Et cette agence a fait tout un travail pour nous faire croire que les Serbes étaient des nazis et que l'OTAN menait de nouveau un combat antifasciste. Et donc il interview le directeur de cette organisation et il lui dit « Vous avez raconté ça, etc. Vous avez en fait dit le contraire de la vérité. » Et le type dit froidement « Nous ne sommes pas payés pour faire la morale. Nous défendons des intérêts. » Et nous avons juste fait savoir que tel groupe avait dit que, et nous l'avons communiqué. Et alors ils ont fait un truc très intelligent, c'est qu'ils ont pris trois des principales organisations du lobby sioniste aux États-Unis, le Black Brit, la Defamation League et un troisième, et c'est eux qui ont fait toute la promo pour assimiler à Hitler ceux que l'OTAN allait attaquer. Et évidemment, il dit que c'était un coup de génie, parce que les gens ne comprenaient rien à la Yougoslavie, et tout d'un coup, c'était très simple. Il y avait les Juifs qui disaient « ceux-là, c'est Hitler », donc là, on avait un récit très simple, et tout le monde a marché. Ça a eu un impact absolument énorme, y compris dans la gauche française et européenne. Donc là, voilà, on est dans un exemple de diabolisation. Un quatrième principe de la propagande de guerre, c'est d'inverser l'agresseur et l'agressé. Étant donné que l'Occident va aller bombarder ou intervenir ou mettre des troupes au sol ou faire des sanctions, il ne faut absolument pas qu'on puisse dire « Ah, vous êtes l'agresseur ». Parce que la charte de l'ONU est très claire. La charte de l'ONU dit « Quand il y a un conflit, la guerre est interdite, la guerre est illégale, la guerre est le crime suprême ». C'est la charte de l'ONU adoptée en 1945 et les conflits entre États ne peuvent se résoudre que par la négociation. Donc, Chomsky disait que s'il y avait, si le tribunal de Nuremberg avait continué, tous les présidents des États-Unis seraient en prison ou auraient été en prison. Et vous pouvez mettre les Français avec aussi. Parce qu'ils ont commis ce que Nuremberg appelait le crime suprême, la guerre pour résoudre un conflit entre États, le crime suprême. Donc, il faut toujours prétendre qu'on est là pour sauver la victime et qu'on n'est pas l'agresseur, mais qu'on défend l'agressé. Donc, au niveau du représentant de commerce de cette propagande de guerre, vous avez ce monsieur qui, en Libye, en 2011, vient nous dire que les gens que vous voyez là sont les combattants de la liberté, qu'ils vont installer la démocratie en Libye et que tout va bien et que comme ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls, c'est curieux, vous voyez, ils sont apparemment, le récit c'est toujours, il y a un dictateur, il est tout seul et tout son peuple est face à lui. Et en Égypte, Moubarak, il a tué 800 personnes, mais il est parti en quelques semaines, Ben Ali pareil, et là, Kadhafi, on nous dit qu'il est encore plus détesté. Mais pendant 8 mois de bombardement, il y a toujours, en réalité, une grande partie de la population qui le soutient, et une partie non, la Libye étant restée un pays tribal. Et en gros, vous aviez des tribus à l'est qui étaient contre lui, mais historiquement, elles avaient toujours été avec les Britanniques, et toujours avec la mafia aussi de l'émigration. Et je suis allé en Libye pendant les bombardements, et vous aviez un très très grand soutien à Tripoli et dans le centre. Vous pouviez vous promener à 11h du soir à Tripoli, encore en juillet 2011, il n'y avait pas un flic en vue, il n'y avait pas un soldat en vue, et la situation était calme. Donc, ce n'était pas du tout ce que ce monsieur nous a raconté, et en fait, il nous le raconte à chaque guerre. Il a fait le même coup en Ukraine aussi. Il est venu dire en Ukraine qu'il était allé parler, comme vous savez, à Maïdan, sur la place des révolutionnaires, et qu'il n'avait absolument pas vu des groupes fascistes et antisémites à Kiev pendant cette merveilleuse révolution, mais ça c'est le genre de truc qu'il n'a pas vu. Or, au moment même où il parle, on voit des gens qui font ça, tout plein. Donc c'est assez paradoxal que l'Occident utilise des racistes anti-juifs, pardon, vraiment racistes, héritiers des pro-nazis de la Seconde Guerre mondiale, du groupe Bandera, Pravi Sector, et que ce monsieur ne les voit pas. Voilà, ça c'est quatre
des grands principes de la propagande de guerre, cacher les intérêts, cacher l'histoire, diaboliser l'adversaire et inverser l'agresseur et l'agressé, toujours se présenter comme la victime. Le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser. C'est-à-dire, quand vous avez un conflit, vous avez forcément deux points de vue. Vous avez forcément les intérêts des uns et des autres. Donc, si on veut se faire une opinion, il faut écouter les deux et voir qui dit quoi, quels sont les intérêts, qu'est-ce qui est véridique. Si vous étiez juge dans un tribunal et que une partie, vous dites à un des plaidants « je vous écoute » et à l'autre « fermez-la », ben on va dire que vous n'êtes pas vraiment un juge sérieux. Or, les médias, c'est ça. On a toujours une seule version. Les conflits ne sont pas présentés comme « il faut écouter les deux et se faire son opinion ». Non, il y a une vérité. Nous, on la connaît. Le journaliste, c'est Dieu. Il vous dit la vérité. Et les autres sont des fous, des menteurs, des propagandistes, des méchants. Il ne faut donc pas les écouter. Et donc, c'est ça qu'on a dans les grands médias et dans la télévision maintenant. On a l'exclusion des gens, et je suis loin d'être le seul, l'exclusion des gens qui sont hors du cadre. Et donc, on a à la télé des discussions qui sont dans le cadre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent discuter, oui, si on veut renverser Saddam, ou Kadhafi, ou Bachar, ou ceci ou cela, il faut faire comme ça. Et un autre peut dire, non, il faut faire comme ça. Donc ça, c'est les discussions qu'on a sur la tactique pour éliminer les méchants. La discussion qu'il est interdit d'avoir, c'est, est-ce que nous avons le droit de décider qui est les méchants et les gentils? Est-ce que nous avons le droit de faire la guerre pour imposer nos volontés? Est-ce que nous avons le droit de décider qui doit être président dans tel pays? Comment les femmes doivent s'habiller là-bas? Etc., etc. Ça, c'est exclu, on n'y a pas le droit. On avait une exception dans la télé française, l'honneur du journalisme sauvé par un animateur de talk show où il y avait vraiment moyen de pouvoir exprimer, comme vous le savez, des opinions contraires. Et malheureusement, ce soir ou jamais est devenu jamais. Et donc, c'est quelque chose qui est tombé. Et donc, ça montre qu'ils ont très peur, en fait. Ça doit nous donner confiance. Ils savent que quand on peut exposer les deux points de vue face à face, calmement, posément, avec des arguments, avec des exemples concrets, les gens en face, ils ne tiennent pas. Je veux dire, quand j'ai eu le plaisir d'avoir M. Henri Guénaud en face de moi sur le Mali ou la Syrie, je ne sais plus, et qui racontait son blabla, oui, sur le Mali, son blabla habituel, j'ai vu dans ses yeux tout d'un coup qu'il était très surpris. À la télévision française, on invite un type comme ça, et il montre que je raconte n'importe quoi. Donc, avec ses yeux-là, il essaie vraiment de... Mais bon, du coup, maintenant, évidemment... Ça n'a pas aidé Taddeï à survivre, évidemment. Donc, ça montre qu'ils ont très peur. Ça montre le pouvoir que nous avons, ça montre qu'ils nous craignent. Voilà. Ça, c'était une petite introduction. J'ai donc parlé des cinq principes de la propagande de guerre. Occulter les intérêts. Cacher l'histoire, c'est-à-dire cacher ce que le colonialisme a fait dans ces régions pour diviser les uns et les autres, diaboliser, inverser l'agresseur et l'agressé, et cinquièmement, monopoliser le débat. Ce que je vous propose, c'est maintenant de vous donner la parole pour voir ensemble si cette grille de lecture, parce que c'est ça que j'essaie de fournir, c'est une grille de lecture qui vous permet à vous de faire le même travail sur les conflits qui sont en cours, qui vont arriver, et de pouvoir être opérationnel sur ces conflits-là, et donc d'échanger avec vous s'il y a des objections, si vous trouvez que ça ne s'applique pas dans tel ou tel pays, ou des questions ou des expériences par rapport à ça. Welcome to Gunship.
Have a good one. Go peace.